Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, on est live et ceci est le premier épisode de Manu Exposed. Je vous avais partagé il y a quelques temps trois nouveaux concepts, trois séries que je voulais lancer. Un étant Manu Exposed, où je vais être interviewée par quelqu'un qui va être aujourd'hui. Un autre qui va être client exposed, où je vais interviewer des clients volontaires, et un autre où je vais interviewer des experts. Voilà, donc aujourd'hui, Lauriane s'est portée volontaire pour m'interviewer. Donc je vais attendre qu'elle se connecte pour que je puisse l'inviter à mon live et on va commencer l'interview. Salut Nadège, hi Kate. Et donc aujourd'hui, c'est Lauriane qui va m'interviewer, qui va me poser des questions. On a fait un petit test technique juste avant, donc j'espère que ça va marcher. Je vais juste la connecter pour voir si c'est bon. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous aussi, vous avez des questions, si vous avez envie aussi de poser vos questions, soit de m'interviewer, soit de les poser sur ce chat, ça sera possible. Donc vous n'hésitez pas. A priori, je vais voir vos commentaires. Donc voilà. Je pense que Laure, il y en a des problèmes pour se connecter. Ok. Donc je vais attendre un petit peu. Voilà, l'idée en fait de ces trois séries, c'est un de vous partager un petit peu l'expérience de mes clientes. Salut Mélanie. Donc ça c'est la première chose parce que parfois c'est difficile pour moi de pouvoir partager des expériences alors que quand je vous partage, donc les clientes elles-mêmes partagent leur expérience, ça va vous parler un peu plus. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est le côté Manu Expo, c'est parce qu'il y a des questions qui me sont posées régulièrement, des gens qui doutent pas forcément de moi, mais peut-être de ma situation, ou qui sont pas très clairs, de pas très clairs pour savoir comment je peux les aider, si je peux les aider. Donc je pense que c'est sympa du coup de donner l'occasion à quelqu'un extérieur de m'interviewer. Et la troisième chose, c'est moi qui interviewe des experts, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans, on va dire, dans les compétences que moi j'ai, mais qui sont aussi dans le bien-être, dans le développement de soi, dans le développement personnel, aussi dans l'objectif de vivre une vie sans stress, plus épanouie, plus heureuse. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Ah, alors attendez 2 petites secondes, je vois si Lauriane peut se connecter. Voilà, est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous voulez répondre pendant que Lauriane se connecte? Désolée, ça prend un petit peu de temps, mais c'est la première fois du coup, ça. Je vais voir si je peux l'inviter là d'ailleurs. Tac. Non, elle n'est pas encore connectée, donc je ne peux pas la connecter. J'espère qu'elle va pouvoir se connecter, sinon il n'y aura pas d'interview. Mais c'est pas grave, sinon je vous parlais d'autre chose. Ah, Lauriane, je la vois. Alors, salut Lauriane, je t'invite dès maintenant. Hop, moi. Espérons que ça marche. C'est sympa la technologie. Ah, ça y est! Bonjour. Salut! Cool! Bon, on a réussi, on a réussi. Ça, C'est c'est cool. Au moins, compliqué la voilà. technologie, hein? Écoute, c'est compliqué, mais la beauté du truc, c'est qu'on peut se faire une interview dans 2 pays différents live. Donc, Ouais, c'est quand même cool. c'est quand même la classe. Alors, voilà. Donc, du coup, j'ai présenté un petit peu les séries, voilà, les séries Manu Expose, Client Expose et Experte Expose. Et donc, j'expliquais qu'aujourd'hui, c'était le premier épisode de toutes les séries et le premier épisode de Manu Expose.
Donc, du coup, c'est à toi, Lauriane, l'honneur de m'interviewer. Donc, pour remettre un petit peu voilà, les choses plus clairement, donc, je vais quand même te présenter parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis peut-être pour ceux aussi qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux sur ce groupe. Donc, Lauriane, nous, on se connaît depuis, j'ai fait le décompte, 15 ans. Donc c'est plutôt récent, hein. On s'est rencontrés à Londres, donc on est amis depuis toujours, depuis toutes ces années, et plus récemment, on travaille du coup ensemble en mode de plus coaching, mais toujours amis, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Exact. Donc voilà, donc, je voulais juste déjà te remercier d'avoir pris ce pas courageux de m'interviewer. Ce challenge qui me fait sortir de ma zone de confort. Soyons Eh ben, clairs. moi aussi, donc comme ça, on est toutes les deux en dehors de notre zone de confort. Comme ça, c'est bien. Il y en a pour tous les goûts. Alors, je te laisse la parole à me poser tes questions brûlantes. Voilà. Eh ben, merci Manu. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent. Alors peut-être Manu que tu peux nous retracer un peu ton parcours et comment t'en es venu au coaching, parce que ça sort pas d'hier. Effectivement, je te connais depuis 15 ans et finalement, ça fait longtemps qu'on en parle ensemble, qu'on fait des choses ensemble ou que tu fais des choses de ton côté. Alors peut-être que tu peux un peu retracer pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, quel est vraiment ton cette presque cet amour que tu as pour le coaching depuis toutes ces années? Alors, en fait, effectivement, donc le coaching vraiment pur, diplôme, etc., ça a commencé en 2015. Mais en fait, depuis toujours, j'ai adoré lire des livres sur le développement personnel. Beaucoup, d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était beaucoup sur les relations amoureuses. Comment bien fonctionner en couple, tout ça. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça s'est transformé plus sur l'étude du cerveau. J'ai lu pas mal de choses sur ça, pas mal de choses sur la confiance, changer cette façon de penser, des choses sur l'ego. Donc en fait, depuis toujours, j'ai adoré conseiller mon entourage sur, voilà, sur ce genre de problématiques. Et c'est en 2015 que du coup, j'ai fait le saut dans le coaching à proprement parler, c'est-à-dire de m'interroger sur c'est quoi le coaching, comment je peux en faire ma carrière. Et du coup, c'est en 2015 que donc j'ai repris des études de coaching personnel, un diplôme de coaching personnel et de PNL qui m'a permis du coup de décider et de m'engager dans cette voie, on va dire, à plein temps. D'accord. Et alors peut-être que pour ton audience, est-ce que justement, alors c'est vrai que ça fait longtemps que tu as cette sensibilité au coaching et que tu as fait plein de choses autour du coaching pour toi-même, en développement personnel, etc. D'ailleurs, on en a fait ensemble, etc. Maintenant, effectivement, ça fait que 2 ans que tu es à plein temps là-dedans. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent se dire, bah, elle n'a pas du tout une longue expérience de coach. Et quelle est ta crédibilité et qu'est-ce que tu souhaites leur répondre à ces personnes qui vont te dire ou qui vont te challenger en disant non, mais moi, elle est trop jeune dans ce métier. Tu vois ce que. Bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Alors, il y a deux choses là-dessus. C'est, je me dis, quand on est passionné déjà, moi je le fais parce que je suis passionnée, donc je me suis mis la tête dedans et j'apprends tous les jours. Donc, je pense que c'est le point positif, c'est que quand on commence, on est motivé, on apprend, on est dans le move, on veut faire les choses bien comme on nous a enseigné. C'est un peu quand on commence à travailler, on est à fond et je pense qu'on fait les choses bien. Après, je pense qu'avec les années, si on a 15 ans d'expérience mais qu'on ne continue pas à se former, à se faire coacher nous-mêmes, à se documenter, à voir les nouvelles recherches, etc., etc. Je pense que du coup, ben, ça peut aussi être une expérience qui n'est pas forcément valable parce que les choses changent. Les gens de il y a 15 ans n'ont plus les mêmes problématiques que les gens aujourd'hui. Donc, on ne peut pas peut-être proposer le même service
La même attention à des gens aujourd'hui qui ont des problématiques, voilà, par exemple les réseaux sociaux, c'est une grosse problématique, ça devient une addiction. Bon, ben, si on coache toujours comme il y a 15 ans alors que les réseaux sociaux n'existaient à peine, je pense qu'il faut rester à la page de ce qui se passe, de ce que sont les problématiques. Et ben, si les gens considèrent de leur côté que j'ai pas assez d'expérience et que voilà, qu'il me faut 15 ans d'expérience pour les coacher, ben, c'est leur décision et je leur souhaite de trouver la personne qui leur correspond le mieux en fait. D'accord. Et alors, peut-être que tu as choisi comme cible les femmes, nous les femmes. Et je pense qu'il y a aussi certaines femmes qui vont te challenger sur le fait de ne pas être mère, par exemple. Est-ce que pour toi, de nous coacher, alors tout le monde n'est pas mère, hein, j'entends bien la chose, mais est-ce que toi, un, est-ce que ça te pose pas de problème? Et puis deux, à nouveau, comment tu peux expliquer ta crédibilité par rapport à ce genre de problématique. Donc le fait de ne pas être mère, comment je peux coacher des mères de famille? C'est ça la question. Oui, puisque finalement, ça fait quand même partie, en tout cas pour les mères de famille, ça fait partie, c'est un élément très important de nos vies. Et est-ce que... Alors, très bonne question. Merci de la poser parce que du coup, voilà, c'est la question Lauriane Style. C'est bien parce qu'au moins c'est authentique, on est dans le... Dans le vrai. Non, Alors, mais je voilà, je non, mais c'est complètement valide. Alors, effectivement, je ne suis pas mère. Et juste pour clarifier, je ne coach pas que des mères de famille et surtout, je ne coach pas sur l'éducation des enfants puisque je serais complètement incapable de vous donner des conseils ou même vous guider sur l'éducation de vos enfants. Après, bon, un coach reste un coach. Un bon coach, je pense, aide à ce que la personne, donc la coachée, trouve ses propres réponses. C'est-à-dire qu'avec le système de questionnement, de questions ouvertes qu'on utilise dans le coaching, le fait d'être mère ou pas, c'est, on va dire, à la coachée de trouver ses propres réponses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon créneau et ce qui me passionne le plus pour l'avoir vécu moi-même, c'est d'essayer d'aider mes clientes à gérer au mieux leur temps, leur charge mentale et leur niveau de stress. J'ai vécu le stress moi-même, j'en ai souffert physiquement. J'ai eu 15 ans, j'ai expérimenté 15 ans d'insomnie. Tout ça sans enfant et en étant seule. Donc en fait, ma charge mentale était pour moi énorme. Donc c'était ma perception à moi-même, c'était ma problématique personnelle. Je n'arrivais pas à arrêter mon cerveau, donc je ne dormais pas la nuit. Effectivement, il y a des femmes qui ne dorment pas la nuit parce que leurs enfants les réveillent toutes les heures et elles ont une charge mentale qui est, on va dire, différente. Mais au final, je pense que la source... En fait, de la charge mentale est différente pour chacune, qu'on soit mère, qu'on soit mariée, célibataire, jeune, plus âgée, en départ en retraite, en début de carrière. Je pense qu'on a tous un niveau de stress et c'est valable pour les hommes aussi, parce que même si j'ai choisi de coacher que des femmes, c'est valable pour tout le monde, même les enfants. Donc, je veux dire, si je choisissais de coacher tout le monde, j'adorais coacher des enfants. C'est juste que j'ai choisi les femmes parce que c'est un créneau dans lequel je me reconnais moi. J'ai vécu une certaine expérience et je m'en suis sortie avec des outils que moi j'ai utilisés dans mon contexte. Et du coup, c'est ça que je veux partager. Et la deuxième, pour aussi dire par rapport aux hommes, la deuxième raison pour laquelle je choisis de me concentrer sur les femmes, c'est parce qu'il y a énormément de femmes qui préfèrent, surtout quand on fait du coaching de groupe, de partager entre femmes parce qu'elles se sentent plus libres de pouvoir justement parler librement de leur situation. Ce n'est pas forcément la même dynamique avec des hommes dans le groupe. Cependant, je suis complètement ouverte à coacher des hommes. J'en ai coaché dans le passé, j'en ai pas en ce moment, je ne coache pas d'hommes en ce moment, mais s'il y a des hommes qui ont besoin d'aide dans leur charge mentale, bien-être, développement personnel, objectif, time management, stress management, call me. Bon, et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton concept? Parce que, effectivement, ça fait 2 ans que tu t'es lancée, t'es partie de Londres, t'as un peu tout plaqué, t'as plus de job qui finance ta vie.
Est-ce que tu peux, tu as choisi Facebook comme moyen de communication et comme réseau, etc. Tu donnes beaucoup de contenu sur Facebook, ce qui est passionnant pour nous toutes, ce qu'on apprécie énormément. Voilà, maintenant, moi, j'ai une question basique de toi à moi, entre copines ou alors même entre coach et coach. Comment tu gagnes ta vie, quoi? Enfin, au bout d'un On moment, va faire pause faut entre toi être et moi. réaliste. Alors, on va faire pause. Ouais. Alors, effectivement, j'ai tout plaqué en juin 2017, donc c'est le moment où j'ai arrêté de travailler. Ce choix de carrière, il est pas, il est très réfléchi. C'est-à-dire que j'ai quand même, à partir du moment où j'ai repris mes études, j'ai commencé à économiser pour ce changement de carrière. C'est pas quelque chose que j'ai pris à la légère et c'est quelque chose que financièrement j'ai planifié. Donc aujourd'hui, même si je commence à gagner ma vie, on va dire, j'allais dire bien gagner ma vie, non, gagner ma vie, parce que pour moi, bien gagner ma vie, c'est avoir le même niveau de salaire que j'avais à Londres dans mon job de manager de projet. Donc clairement, j'en suis pas là, pour être très honnête. Cependant, la planification et la clarté que j'ai sur ma carrière me fait continuer dans cette voie. Alors en France, du coup, avec tout le changement de vie, le déménagement, recommencer un business, le changer de langue aussi, ça a créé beaucoup de travail au niveau préparation, donc site internet, traduction du site, automatisation du Je site. peux pas t'aider, moi. Alors, c'est clair, les deux qui parlent pas très bien français. Automatisation du site. Bref, et du coup, j'ai voulu vraiment préparer ça parce que moi, je suis quelqu'un qui est très pragmatique, cartésien. J'aime bien que les choses soient organisées, voilà, avant de me lancer dans un truc où les gens peuvent pas réserver. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça en amont. J'ai tout traduit et aujourd'hui, on peut dire que ben, je vais fêter mes 1 an de You Can Change français le 31 mars, le jour de mon anniversaire, parce que c'est une bonne date. Et du coup, en 1 an, je pense que voilà, c'est la planification. Donc, je puise encore un peu dans mes économies, mais voilà, depuis 6 mois, je peux dire que je vois clairement un grand élan depuis septembre. Mon concept, c'est de travailler en ligne principalement, même si je propose des ateliers sur Aix-en-Provence, là où je suis maintenant. Mais on va dire, je veux créer un business qui soit dans la dynamique d'aujourd'hui. Donc, tu me posais la question sur est-ce que quelqu'un a de l'expérience? C'est un nouveau concept. Il y a plein de gens qui disent, ah non, mais moi, je veux que ma coach, elle soit en face de moi dans un cabinet. Très bien, ben, c'est pas moi. Moi, je suis disponible pour les femmes qui le sont moins, c'est-à-dire les femmes qui sont actives, qui ont pas forcément les moyens de se déplacer et de prendre une demi-heure de transport, moi non plus. En fait, moi j'ai choisi aussi cette voie parce que j'ai une grosse valeur liberté. Et du coup, ma valeur liberté, c'est de pouvoir ben, gérer mes horaires quand j'ai envie, de travailler quand j'ai envie, et que ça soit semaine, week-end, soirée, matinée, et de pouvoir aussi voyager quand j'ai envie de travailler. En fait, j'ai pas envie que l'endroit, mon point géographique soit un ancrage niveau travail que j'ai eu pendant toute ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai choisi justement cette voie-là pour cette valeur-là. D'accord. Et c'est vrai que ça marche. Enfin, moi qui ai expérimenté ou avec, enfin, qui expérimente ça avec toi en remotely, en Skype, en WhatsApp et tout ça, FaceTime, je ne sais quoi, ça fonctionne. Non, mais c'est vrai. Au départ, j'aurais pu être, quand j'ai commencé aussi le coaching, c'était face à face. Et maintenant, c'est vrai que ça marche très, très bien pour Et l'expérimenter. ben ouais, c'est vrai qu'il faut s'habituer. Au départ, c'est surtout pour les gens qui sont moins, on va dire, hot au niveau technologie. Voilà, même aujourd'hui, c'est pas évident. T'es Facebook Live, machin, interview, faut regarder des vidéos, faut se renseigner. Bon, c'est un truc qui se travaille, mais c'est comme tout le reste. Et je pense que quand on est. J'aime bien rencontrer les gens pour la première fois en face à face, si je le peux. Mais après, c'est vrai que j'ai des clientes sur Aix que j'adore coacher en face à face. On va dans un café et voilà, Lily est une d'elles. Et ça, j'adore. Mais c'est parce que je peux le faire. Après, du coup, ça me couperait la moitié de mes clients qui sont clairement pas du tout là où je suis moi géographiquement. Oui, Donc. ça c'est sûr. Et alors, une autre question que j'ai, même en tant que coach en ce moment, quand nous, dans nos jobs et nos entreprises, on a un problème, on va voir nos collègues,
on va voir nos boss, on va voir, on a un réseau pour dire, bah, je n'ai pas la réponse, et je vais chercher la réponse et je vous rappelle, je vous dirai ma réponse. Toi, est-ce que, donc, t'es coach, t'es toute seule, quel est ton propre système de, est-ce que tu as un système de soutien si jamais tu es face à une cliente, tu n'as pas la, c'est pas ne pas avoir la réponse, mais tu es challengé par cette cliente et tu n'es pas sûr de comment la coacher. Est-ce que ça t'arrive et est-ce que est-ce vers qui ou vers quoi tu peux te tourner? Alors, ça m'est arrivé, surtout pendant mes études, où j'ai une cliente qui est venue vers moi et quand on a fait la consultation, je pense qu'elle était plus dépressive on va dire, dans la capacité d'être coachée. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Parce que quand on fait, en fait, je propose des consultations gratuites pour pouvoir justement faire un diagnostic Oui. moi-même de savoir est-ce que ce sont des clientes potentielles, mais est-ce qu'aussi la cliente connecte avec moi. Donc c'est vraiment 50-50, il faut que les deux connectent. Ça, c'est vraiment un concept que j'ai et auquel je tiens. Et effectivement, elle m'a dit, mais Manu, j'ai vu une psy, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais à mon troisième burn-out, j'ai besoin de toi. Et je me suis dit, mais c'est chaud. Donc en fait, on a dit OK. Et en fait, effectivement, en fait, j'arrivais pas à la coacher parce qu'en fait, quand on se connectait, il fallait que je lui remonte le moral, il fallait que je la rebooste constamment. Donc, elle était à un niveau très très bas, il fallait que je la rebooste avant même pouvoir la coacher, tellement elle avait une estime d'elle-même qui était très basse, elle était très stressée, et donc ça, c'était vraiment un problème. Donc, effectivement, quand j'ai traversé cette période, j'ai toujours accès à mes mentors donc de la Coaching Academy. Auquel aujourd'hui j'ai pas eu besoin de faire appel depuis à peu près un an. La Coaching Academy avec qui je me suis formée nous ont donné énormément de ressources donc dans lesquelles je puise constamment. Et en fait, la façon pour moi de mieux me préparer, c'est qu'à chaque fois, tu l'as expérimenté aussi, c'est de demander à mes clientes avant la prochaine séance de se préparer, de m'envoyer une feuille de préparation. La raison pour laquelle je fais ça, c'est un, pour pouvoir voir où en est ma cliente, et de deux, surtout, c'est de pouvoir voir comment je vais pouvoir l'aider. Parce que il y a la dernière question, c'est quelle est ma problématique du jour et qu'est-ce que j'aimerais travailler lors de la prochaine séance. Et là, ça me permet d'aller me mettre le nez dans mes bouquins, ce que je fais très souvent, de mettre le nez dans les exercices, dans tous mes outils, de dire, OK, là, on peut travailler ça, on peut travailler les valeurs, on peut travailler la motivation, on peut travailler la perception, on peut travailler la confiance en soi. Et là, je prends tous mes petits outils qui sont classés par thème, et du coup, je me dis, OK, ça, je pense que ça va marcher, parce que cette cliente, elle est comme ça, comme ça, comme ça, cet outil va marcher, donc je le prends au cas où, si j'en ai besoin et si je le trouve adéquate. Après, je suis moi-même coachée par différentes personnes en fonction de mes thématiques. Toujours Donc, encore j'ai là. aussi, T'es toujours coaché. oui, toujours encore. D'accord. Et j'ai aussi un mastermind. C'est un groupe que j'adore, où justement on se met nos objectifs par semaine et on se challenge et aussi on s'entraide. Donc ce mastermind n'est pas par rapport au coaching, puisqu'on est trois avec des activités différentes, mais ça me permet aussi de moi de constamment être dans mes objectifs perso, mes objectifs pro, et d'avoir un petit peu un cercle qui me responsabilise pour aussi avancer. Et ça, je pense que c'est hyper important. Je le fais moi-même parce que si je sais que j'avais personne qui me suivait, moi, mes objectifs, ben, je serais aussi comme un être humain bien classique dans la procrastination, dans faire des choses qui sont moins importantes ou le manque de focus, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi aussi. C'est pour ça que je le fais parce que je sais que ça marche. D'avoir Ouais. un coach, ça marche pour moi. Donc, c'est pour ça que je sais que ça marche pour les autres aussi, quoi. Alors après, quand on sort d'une session de coaching avec toi, on est quand même, on a un sentiment de, comme quand on sort de chez l'ostéo, quoi, d'épuisement parce que c'est intense au niveau émotionnel. Est-ce que toi, tu ressens la même chose et est-ce qu'on te puise pas toute ton énergie en tant que coach et du coup, comment tu peux avoir l'énergie de coacher plusieurs personnes dans la journée et plusieurs personnes dans la semaine. Ouais.
L'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, j'ai décidé que ma santé mentale et physique était ma priorité numéro un, ce qui inclut mon énergie. C'est-à-dire que le matin, je consacre environ entre 2 et 3 heures pour ma santé physique et mentale. Donc, c'est un mélange d'écriture, de méditation, de respiration, de sport. Et juste de me dire, OK, quelle est ma priorité numéro un pour la journée? Sur quoi je dois me focaliser? Je fais le petit bilan de à qui je vais parler. J'évite plus de 3 séances par jour. Si je dois dépasser ce nombre, c'est que ça serait une très très bonne nouvelle pour moi, mais du coup, il va falloir revoir voilà, les choses. L'énergie, en fait, je me prépare avant une séance, c'est-à-dire que je prends un peu de temps pour respirer, pour bien être présente, et voilà, pour m'assurer que moi, je sois complètement présente et que tu l'as expérimenté aussi, je fais respirer toutes mes clientes, en tout cas les détendre avant une séance au moins 5 minutes, pour juste qu'on soit toutes bien. Énergétiquement parlant, il y a des séances qui me prennent beaucoup plus d'énergie que d'autres, notamment le soin énergétique que je pratique aussi, c'est des séances qui sont pour moi énergétiquement très demanding, qui demande beaucoup Demandeuse. d'énergie, demandeuse. Et donc clairement, je ressens comme toi le côté je suis vidée. Mais c'est quelque chose que je gère au quotidien. Donc c'est pas vraiment, tu sais pas que tu me puises mon énergie, que j'en ai plus pour le reste. Sinon, je pense que j'aurais du mal à gérer. Et je pense aussi, ça reste comme tout le monde, c'est être vraiment à l'écoute de soi-même et de dire, OK, ce matin, comment je me sens? À me faire un petit diagnostic, est-ce que je suis fatiguée ou pas? Et de quoi j'ai besoin pour me booster? Donc, si j'ai besoin de méditer plus et de travailler moins, bah, c'est ce que je vais faire. Et parce que je sais que c'est ça qui me booste, ou de me poser, ou d'écouter de la musique un peu plus calme, de faire quelque chose, sortir. Donc, voilà quoi. Pour peut-être donner un peu du contenu à tes clientes là qui nous écoutent ou nous écouteront, je vais te poser une question. Voilà, moi je suis dans une phase professionnelle où j'avais choisi une voie et il y a une autre chose qui vient d'arriver, donc j'ai un choix à faire professionnel. Comment toi en tant que coach tu pourrais m'aider à choisir la bonne voie? Et comment m'assurer que c'est the bon choix, quoi? Ah, deux bonnes décisions. Voilà. La question à 10 000 dollars. Quelle est la bonne décision Manu, à ma prendre? coach, help, dis-moi quelle voie prendre, la A ou la B? J'adore cette question. Les décisions, c'est vraiment un sujet. Au début, je me disais, mais oh, comment tu peux aider quelqu'un à prendre la bonne décision? Parce que mais moi, je ne saurais pas la prendre. Et alors, du coup, ce qu'il faut comprendre. C'est déjà les valeurs. Alors, on l'a travaillé ensemble, mais pour les personnes qui peut-être n'ont jamais travaillé leurs valeurs, c'est important de connaître ces valeurs. Parce qu'en fait, c'est quoi la bonne décision? OK, il n'y a pas de mauvaise décision. Donc, en fait, à partir du moment où on est clair avec soi-même, à partir du moment où le timing d'aujourd'hui, la décision que tu vas prendre aujourd'hui, ce n'est pas forcément la même que tu aurais prise il y a 2 ans, et ce ne serait pas forcément la même que tu vas prendre dans 6 mois. Pourquoi? Parce que dans un monde qui change, on est dans un monde qui constamment évolue, notre environnement évolue, notre vie quotidienne évolue, les circonstances évoluent. Donc en fait, une décision, elle est bonne à prendre maintenant. Cette décision, elle est bonne pour toi maintenant, mais peut-être que dans 6 mois, tu te seras dit, ah bah voilà, c'était la mauvaise décision. Alors, Mais ça fait peur, merci ma hein. coach. Merci, Merci Manu. beaucoup pour le conseil. Déjà, je ne donne pas de conseil. Donc, du coup, ça ne sera pas la mienne. Ça sera juste une façon à moi de te faire réfléchir. D'accord? Et pour que toi, tu prennes cette décision. Ça ne sera pas moi qui vais te dire, Lauriane, tu fais ça ou tu fais ça. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que ce soit clair par rapport à tes valeurs. Si tes valeurs, par exemple, ce sont, je ne sais pas moi, alors on l'a travaillé ensemble, mais pour pas aller dans le détail, mais si t'aimes travailler seul, ou si t'aimes travailler en équipe, si t'aimes travailler de chez toi, parce que t'as une grosse valeur liberté, si t'aimes travailler dans un environnement d'entreprise avec un 9h-5h et que t'as une sécurité financière, une valeur hyper lourde de ce côté-là, et qu'aujourd'hui la sécurité financière, valeur, et dans tes prioritaires, parce qu'on l'a vu ensemble, les valeurs sont aussi temporelles. Donc, ta sécurité financière peut être aujourd'hui une priorité,
Mais dans 6 mois, peut l'être beaucoup moins. Du coup, te dire, bah, dans 6 mois, je peux être freelance parce qu'en fait, financièrement, c'est bon. Et là, je vais me faire plaisir et du coup, ma valeur liberté, elle prend le dessus. Donc, je pense qu'il faut être clair sur ses valeurs et clair de voir aujourd'hui où j'en suis dans mes valeurs, c'est quoi la priorité dans mes valeurs. Une fois que tu as ça, tu vas te dire, OK, donc là, j'ai deux opportunités. Donc, déjà, c'est top parce que on a bossé ensemble. Il y a un moment donné où il n'y avait pas d'opportunité. Oui, c'est vrai. Donc déjà de dire que j'ai deux choix, c'est déjà énorme au niveau pour toi, tu vois, au niveau célébration, de dire OK, aujourd'hui j'ai une décision à prendre, donc déjà c'est top, c'est hyper positif. Donc je vais prendre cette décision en conscience, et c'est-à-dire que je vais me poser. Alors il y a beaucoup de gens qui vont aller appeler la mère, la sœur, la coach, la copine, C'est un le peu ce que j'ai mari. fait, d'accord? Voilà. Alors très bien, hein. Fais-le, parce que si c'est ça qui te parle, fais-le. Mais pour en revenir aux valeurs et aussi à l'intuition, c'est pour ça que je suis adamante sur la méditation et l'intuition. La réponse, ton corps et ton gut feel, donc ton instinct, c'est ce que ta soul, donc ton âme, veut expérimenter. Aujourd'hui, ton âme, et tout le temps, ton âme, elle te guide dans un chemin qui est le tien. Pourquoi? Parce que ton âme, elle veut expérimenter différentes expériences pour pouvoir grandir. Donc en fait, si aujourd'hui tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre ce job, même si je viens de faire 6 mois de travail sur mon job freelance, mais que ce job-là, il me parle, tu ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a aucun sens pour toi, mais par contre, tu te dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est ton âme qui est en train de te dire, Lauriane, prends ce job. Pourquoi? Parce que dans ce job, tu vas avoir des choses à apprendre. Tu vas avoir des cadeaux, tu vas avoir des leçons, tu vas faire des connexions, tu vas avoir un apprentissage qui va te permettre d'aller au next step. Donc, il n'y a rien de plus, on va dire, valide comme décision que ton instinct. Et pour te donner un exemple, la raison pour laquelle on fait ce live aujourd'hui, c'est parce que c'est mon instinct au resto qui m'a dit, mais Manu, ça serait trop bien que tu fasses quelqu'un qui t'interviewe comme ça. Toi, ça t'évite de te mettre en avant et de ne pas savoir comme un chat. Et du coup, ça m'est venu comme ça. Et j'étais, ah ouais, non, mais attends, je vois pas qui va vouloir m'interviewer. Et nanana, et c'est revenu, et ça revenait constamment. Et en méditation, il faut que je fasse Manu Expose. Et le nom, il m'est venu, et etc., etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon âme qui a envie, je ne sais pas pourquoi, que je fasse ce truc-là, que je fais, parce qu'en fait, ça revient constamment. Donc, c'est mon instinct qui me guide. Donc, en fait, ta décision, elle est. Et je sais aussi que de mon côté, c'est une question d'être exposé, d'être visible dans ce que je fais. Il faut que je sois visible. Donc, oui, ça me sort de ma zone de confort. Et oui, c'est pas forcément évident. Là, ce qu'on fait maintenant, bah, il y a peut-être des gens qui vont aimer, il y a peut-être des gens qui vont pas aimer, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, bah, Manu, je la kiffe pas, son truc, ça me parle pas. Eh ben, soit. Mais voilà, il y a un risque à prendre. Et pour toi, c'est pareil. Il y a peut-être un risque à prendre. Il y a peut-être te dire, ah, oh, ben, j'ai perdu tout ce temps-là. Mais en fait, tout ce que tu as fait là, admettons que tout ton travail de freelance, tu décides de prendre un boulot à plein temps maintenant. Ton boulot de freelance, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, tu pourras le réutiliser. Donc, c'est un truc que demain, si dans 1 an, tu dois faire freelance et que Lauriane, elle fait boum et elle va en mode freelance et qu'elle a déjà tout appris parce qu'elle l'a déjà fait, eh ben, tu auras gagné tout ce temps-là. Donc, en fait, toute expérience est bonne à prendre à partir du moment où on est dans la zone de stretch et pas dans la zone de panique. C'est-à-dire que là, tu es dans ta zone de confort, là, tu es en train de te dire, OK, là, j'ai deux décisions, donc les deux, c'est un peu tendancieux, je ne sais pas trop quoi faire. Mais si demain, je te dis, bon, bah, Lauriane, il faut que tu signes un contrat demain matin, là, tu es en mode panique et là, tu ne vas pas avoir le temps d'être intuitive, de travailler tes valeurs. Donc, c'est pour ça que tant qu'on a la capacité un peu de temps, c'est là qu'il faut vraiment se concentrer sur soi. Demande autant d'avis que tu veux, mais c'est travailler sur toi, travailler sur tes valeurs, travailler sur ce qui est important et de prendre la bonne décision en conséquence, qui sera la bonne à ce moment-là. Donc, conclusion, je vais méditer et respirer ce week-end pour voir Voilà. la clarté. La clarté nécessaire. Clarté Et on se prend nécessaire. une petite séance la semaine prochaine pour avoir le côté un peu plus pragmatique du truc. Mais c'est fou parce qu'en fait, ce qui est horrible dans moi, ce que je vois dans la prise de décision, c'est qu'en fait, il y a plein de personnes qui prennent pas la décision par peur de se tromper. Et du coup, on reste Ben ça, bloqué. c'est Et oui.
Et en fait, on n'avance pas. Non seulement on n'avance pas, mais en plus on n'est pas bien parce qu'on est bloqué dans un espèce de truc où on n'est pas épanoui et puis on se bloque dans une espèce de zone de confort qui est au final pas si confortable que ça. Et du coup, on a des peurs qui remontent. Donc peur de rester là où on est parce qu'on n'est pas bien, mais peur d'avancer parce que du coup, si on se plante. Mais il y aura pas, on se plante parce que si à partir du moment où effectivement il y a échec selon toi, dans cette décision, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Comment cette situation m'a appris quelque chose sur moi? Comment je peux faire pour changer les choses la prochaine fois? Et comment je vais faire pour faire les choses mieux la prochaine fois? Donc, c'est toujours de se remettre en question sur les choses qui n'ont pas marché selon nous et d'en apprendre les leçons. Et une fois qu'on a noté les leçons, c'est en conscience dire, OK, bah, j'ai appris ça, ça, ça. OK, c'est bon, c'est noté. Bon, bah, la prochaine fois, je vais pas refaire la même chose. Parce que le truc, l'idée, c'est de grandir. C'est pas de rester dans un espèce de. On n'est pas des hamsters, donc on va pas reprendre le même truc, refaire la même erreur. Voilà. Et si on fait toujours les mêmes erreurs, c'est parce qu'on ne se remet pas en question. Donc on ne se pose pas les bonnes questions. Donc ça, c'est important. D'où un autre de tes thèmes favoris, la pleine conscience, Pleine conscience. qui est au bout du jour, mais qui est très vrai et par laquelle tu commences tes. Enfin, que tu as un module dessus et que tu commences quand tu coaches, c'est un peu par là que tu commences aussi. Ouais, parce qu'on a toutes les réponses en nous et c'est une question de savoir aller les chercher. Oui, il y a le côté, bien sûr, coaching et conscience et apprendre à se connaître mieux parce qu'on ne peut pas juste méditer et avoir toutes les réponses à nos questions. Quoique, je pense que si tu médites 8 heures par jour, tu en arriverais peut-être là. Mais bon, voilà, on a d'autres choses à faire. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais. C'est parce que je me rends bien compte que la méditation, ça m'a ouvert plein de portes, mais ça n'ouvre pas toutes les clés de toutes mes problématiques. Mais essentiel, si on parle de stress, essentiel. Méditation, respiration, juste se reconnecter à soi, c'est juste. Aujourd'hui, je pense que c'est pas négociable. Donc, selon moi, avis personnel. Bon, et ben écoute, Manu, on a dit beaucoup de choses. Ouais, J'espère que ça merci. va. Bah, de rien, j'espère que ça Lauriane, va. pour ton honnêteté, ton authenticité que j'adore, hein, clairement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas amis pour rien. Hein. Au moins, je savais qu'avec toi, j'aurais des Ça questions. serait cash, Ça serait cash, sans cash comme tact. j'aime. Voilà, c'est pas sans taxe, c'est comme on dit, c'est sans filtre. Aujourd'hui, c'est la nouvelle mode de guerre, sans filtre. Sans Bah, là, il filtre. n'y a pas de filtre, Eh ben, il n'y a donc pas de c'est filtre. nature. Bah, au moins, c'est Voilà. authentique pour pour tes clientes qui nous écoutent et voilà. Exactement. Et si tu es d'accord, je repartagerai aussi sur mon profil perso. Si, voilà, on en Voilà, reparlera. Sinon, si c'est en dehors de ta zone de là, la confort. zone de confort, allez, stretch. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'être quelqu'un aussi, de faire partie soit des gens interviewés, soit de m'interviewer, n'hésitez surtout pas. Je suis en train de vous créer un petit document qui va être ce qu'on appelle le lead magnet. Je crois qu'on utilise ce mot en français aussi, qui sera tous mes 5 outils pour une vie épanouie sans stress. Donc, je donnerai du contenu et ça sera un outil que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site. Donc, il est bientôt prêt en anglais, il sera bientôt prêt en français. Et donc voilà, j'aimerais que ces petits interviews en faire assez régulièrement, donc peut-être une ou deux fois par mois. Avis à toutes les volontaires. Et puis bah, voilà, Lauriane, je te remercie beaucoup pour ton temps, De rien, Manu. pour cette énergie. Merci à toi d'être devenu coach parce que c'est vraiment un cadeau que tu nous as fait. Donc, Je j'en te remercie. profite pleinement, mais j'espère que beaucoup de femmes pourront en profiter et en bénéficier. Je leur souhaite, en tout cas, si ça vous parle. Vous pouvez aussi réserver des consultations. Je posterai le lien sous la vidéo. Ça sera disponible. Merci Lauriane, je te souhaite une belle Salut Manu, après-midi, un très bon merci. week-end. Oui, À la merci. prochaine et Et on à se parle très bientôt. bientôt. Ça marche. À Au revoir tout le bientôt. monde. Au revoir. Ciao, ciao. Salut à tous.